Après 35 ans d'attente, voilà donc une page prête à se tourner au Burkina Faso. Après 6 mois d'audience, plusieurs années d'instruction et plus de 100 témoins entendus pour l'éclatement de la vérité, le procès des présumés assassins de Thomas Sankara, ancien président de la Haute-Volta, a donc enfin livré son verdict. On va retrouver tout de suite en direct de Ouagadougou et de ce tribunal militaire où était rendu ce verdict il y a quelques instants notre correspondant Khalidou Si. Khalidou, bonjour. Vous nous le disiez il y a quelques instants, de lourdes peines viennent d'être prononcée, la perpétuité notamment contre l'ancien président Blaise Compaoré. Oui, comme vous l'avez dit Elisabeth, Blaise Compaoré, le tribunal a décidé une prison à vie pour Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafondo. Il faut savoir qu'au début de l'audience, il y avait seulement Gilbert Diendéré comme Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafondo ne se sont jamais présentés à ce procès depuis son ouverture le 11 octobre dernier. Les avocats de Blaise Compaoré avaient jugé ce tribunal comme un tribunal d'exception, et à l'issue de ce verdict, il y a eu des Gilbert Diendéré est sorti du tribunal sous les applaudissements et a salué de la main ses soutiens, ce qui a provoqué des échauffourées entre les partisans de Gilbert Diendéré et les familles de victimes. Il a fallu que les militaires interviennent pour calmer la foule. Et au niveau juridique, les avocats de la défense ont 15 jours pour faire appel et les mandats d'arrêt sont maintenus contre Hyacinthe Kafondo et Blaise Compaoré. Vous nous y êtes à ce matin d'un climat plutôt calme. Il y a, il faut le rappeler, un vrai contexte politique au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des craintes, des risques aussi? Oui, c'est vrai que le climat de ce procès contraste, le climat plutôt calme de ce procès contraste avec le climat politique du pays. Rappelons que le colonel désormais président Paul-Henri Sandaogo Damiba avait fait un coup d'État contre l'ex-président Roch-Marc-Christian Kabore. C'était il y a 2 mois, le 24 janvier dernier. Mais paradoxalement, le procès s'est toujours tenu dans une atmosphère plutôt calme. Lors des audiences, la salle d'audience n'a pas toujours été remplie. Et comme vous l'avez dit, le contexte politique avec le coup d'État et les différentes attaques terroristes dont le pays est victime contraste largement avec ce procès. Un mot peut-être sur ce que représente encore Thomas Sankara dans le pays. On a vu des jeunes lors des manifestations de 2014 qui ont abouti à la chute de Blaise Compaoré, des jeunes qui n'ont pas connu son bref passage au pouvoir et pourtant brandir son image avec fierté. C'est une icône toujours aujourd'hui, hein. Oui, c'est une école. Et ce qui est assez cocasse, c'est que ce sont ces jeunes qui n'étaient pas nés au moment de la présidence de Thomas Sankara sont capables de vous parler de l'ancien président pendant des heures et des heures avec des anecdotes, car Thomas Sankara représentait le panafricanisme, l'anti-impérialisme, le président qui était résistant face aux puissances européennes, face à la France de François Mitterrand. On se rappelle de son discours sur la dette, on se rappelle de ses nombreux discours célèbres à l'ONU. C'était un peu le porte-parole des pays non alignés, des pays pauvres. Et c'est vrai que Thomas Sankara est vraiment une icône au Burkina Faso, non seulement, mais en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier, en Amérique latine. Thomas Sankara est une figure qui est connue, on l'appelait d'ailleurs le Che Guevara africain. Il avait des liens très forts avec Cuba, ce qui explique son immense popularité en Amérique du Sud, en Afrique, comme je répétais, mais dans le monde entier. Merci beaucoup, Khalidou Si, en direct donc de Ouagadougou. Je me tourne vers vous, Virginie.